Ils avaient déjà tourné ensemble dans Rock'n'Roll, de Guillaume Canet. Cette fois, les rôles s'inversent et s'y estient sous la direction d'Yvan Attal dans un coup de dé que les deux hommes collaborent. À cette occasion, ils ont accordé une interview commune à Madame Figaro, dans laquelle ils évoquent leur amitié, leurs nombreux points communs, mais aussi leurs déboires. Guillaume Canet, notamment, raconte avoir fait un récent constat concernant sa carrière. Je racontais que je n'avais aucun problème avec le fait de vieillir. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas si simple, reconnaît le cinéaste. Puis d'ajouter, physiquement, je mène fou, mais je vois des rôles m'échapper. D'autres possibles s'ouvrent, mais on se demande toujours si on n'aurait pas aimé explorer plus en profondeur ce qui ne nous est plus accessible. Guillaume Canet explique avoir fait les frais de cette nouvelle réalité il y a peu. Récemment, lors d'une réunion de production, je me suis proposé pour un petit truc et j'ai senti les regards gênés, je n'avais plus du tout l'âge et je n'avais pas voulu le voir. Mais il faut accepter. Je ne jouerai plus les premiers émois comme à l'époque de jeu d'enfant, confie-t-il. Son ami, Yvan Attal, voit les choses un peu différemment. Si, mais avec une actrice de 50 ans, souligne-t-il. Yvan Attal ne veut pas finir comme Guillaume Canet dans Rock'n'Roll pour le mari de Charlotte Gainsbourg, la prise de conscience a été marquante, elle aussi, mais il ne semble pas mécontent de ce que lui offre son âge aujourd'hui. Quand vous réalisez un jour que vous n'êtes pas le plus jeune sur un plateau, voire que vous êtes le doyen, ça fait bizarre. Cependant, je ne reviendrai pas en arrière. Les rôles sont dans l'ensemble plus intéressants aujourd'hui, explique Yvan Attal, qui ajoute par ailleurs ne pas encore avoir cédé aux sirènes du bistouri. Quant au marqueur physique, je résiste pour l'instant à la liposuction et au botox pour ne pas finir comme Guillaume dans Rock'n'Roll. Précise-t-il. Just me.